bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pas une vidéo sur mon calendrier, sur du gaming ou bien autre chose comme un quiz ou quelque chose du genre. Non, c'est pour une petite annonce. Je vais essayer de faire court, mais oui, sans trop vous donner de détails sur la chose en question. Donc ça fait plus donc plusieurs mois que sur la chaîne j'ai sorti un trailer, et dont là j'ai sorti la oui, hello. Alors les gens, je crois qu'on va se retrouver juste après, et je vais continuer mon annonce, d'accord. Donc les gens, voilà, désolé, je me suis contacté, j'allais m'appeler, voilà. Donc ça fait plusieurs mois, donc à peu près un ou deux mois, je crois, où j'ai sorti un trailer d'un futur film, court-métrage que je vais sortir dans quelques jours. Et là, cette semaine, non, la semaine dernière, j'ai sorti le deuxième trailer, donc il n'y en aura pas trois, pour ceux qui demanderaient. Non, il n'y en a que deux. Et donc là, je vais vous parler un peu de ce projet, donc du coup qui a duré quelques mois, alors 4 mois je crois, ouais 4-5 mois, allez, ouais, 4 et demi, allez. Donc je commençais vers septembre, donc c'était un projet que j'ai voulu faire pendant les vacances, en quelques, vers juin, juillet, j'ai commencé à réfléchir, parce que c'est un film. Donc au début je voulais faire ça un vrai film, au moins une heure, mais le produit fini, il fait environ 19 minutes, ouais, voilà. C'est un peu, ouais, c'est un peu beaucoup moins que ce que j'avais prévu, donc c'est un peu con et pas con. Enfin, c'est mon premier test, mais parce que le scénario était quand même un peu long. J'ai quand même pris environ 5 heures pour ce scénario, pour un truc qui dure 19 minutes. Donc c'est un film court-métrage. Court-métrage pour ceux qui restent dans les bons mots, mais je préfère faire film. Ce film c'est plus style. Enfin bref, je suis pas là pour négocier les mots. Donc c'est un film court-métrage pour ceux qui préfèrent, que je vais sortir le 25 décembre sur la chaîne. Donc le 25, donc je pense pas que le 25 il va y avoir beaucoup de vues, bon, je pense pas beaucoup du tout, mais à partir du 25 le film sera disponible sur ma chaîne, donc c'est déjà plutôt pas mal. Je sors ça à une belle date d'année de fin, donc, pourquoi pas. Du coup il s'appelle, ce film s'appelle Police du Temps, pour ceux qui auraient vu le trailer, vous savez, pour ceux qui ont vu le trailer, c'est le titre, Police du Temps, trailer 1 et 2. Donc là, voilà, là, ça sera Police du Temps, le film. Je vais l'appeler, je ne sais pas comment mettre le film. Dans le film, voilà. Donc voilà, donc c'est mon premier projet, gros projet sur la chaîne. Et j'espère ne sera pas le dernier, mais c'est déjà le premier, un début à tout. Donc donc j'ai réalisé le film avec du coup des acteurs. Donc les acteurs, j'ai pris mes amis en premier. Bon, du coup il y a du coup dedans Monsieur Fatalos, Monsieur Quentin P, Fredo 64 et le Boss 15 pour le monde de YouTube. Sinon c'est d'autres personnes que je connais, voilà. Et il y a d'autres personnes comme Delphine et Julia qui sont eux pas sur YouTube, mais qui m'ont aidé d'une certaine façon. L'une est actrice et l'autre a servi pour les caméras et pour l'ingénierie du son. Car oui, je n'ai plus filmé qu'avec ça. Ce que je filme en ce moment, ben, j'ai filmé avec. Le micro en fin de tournage a commencé un peu à péter les plombs, comme là je ne filme pas avec le micro. Je filme sans micro, donc la qualité est beaucoup moins bonne et moins forte au niveau sonore. Donc du coup, c'est un peu con parce que le micro, enfin, il n'est pas cassé, hein, il n'est pas mort.
et je sais pas ce qui se passe, donc j'ai le temps de pouvoir l'analyser un peu plus en détail pendant les vacances pour savoir ce qui plante chez lui ou pas, enfin ce qu'il a en tout cas. Ouais, donc pour les du temps, sans trop en dire, c'est mon univers, c'est voilà, c'est moi qui crochet en quelque sorte. C'est vraiment moi, quand je dis moi, c'est moi, ça y va. Donc voilà. C'est un projet donc du coup que j'attends voilà quelques mois. J'ai passé à peu près 2 mois du coup et 5 heures à faire le scénario, commencer à y réfléchir, c'est-à-dire est-ce que je le fais pas, est-ce que je le fais sous forme de film audio, à tout ce genre de travail là. Il y a plusieurs choix de faire ça. Je parle de théâtre, fais ça sous forme de film, voilà. Une connerie, mais ce qui vient sous la pensée. Donc ouais, j'ai fait ça, voilà. Puis c'est pas toujours tout bien passé au niveau des lieux où je voulais aller, où je voulais tourner, entre les acteurs, certains qui pouvaient pas venir, des fois d'autres pas, d'autres ne pouvaient pas non plus. Donc du coup ça me retardait un petit peu. Surtout à la fin, ça a été de plus en plus compliqué à rassembler tout le monde en même temps, de faire jouer tout le monde, de garder tout le monde dans la même longueur d'onde. Mais j'ai réussi à le finir, je suis très content de ce film. Bien sûr, il y a bien quelques erreurs, voilà. Donc c'est normal, c'est mon premier, je vais très bien refaire si j'en fais un deuxième. Sur le même thème ou sur un autre. Donc voilà. Ah oui, donc du coup, l'univers est fantaisique, c'est un film de science-fiction. Donc voilà, c'est... Comme vous pouvez l'indiquer dans le titre, il y a de la police, donc c'est le côté vrai et naturel, et du temps qui n'est pas naturel, donc ce qui est la fiction, la police et la science, c'est tout ce qui est réel, et fiction, c'est tout ce qui est faux, donc le temps, dans le temps, hop, si voilà, par exemple, ceux qui connaissent, ceux qui ont vu aussi mes vidéos, il y aura ça de rap dedans, donc vous avez déjà quelques petits indices, rien que. Sur ça, savoir à peu près dans quel domaine ça se penche. Donc c'est pas un film ou un court métrage d'horreur ou quoi d'autre. Pour les âmes sensibles, on sait jamais, il n'y aura pas de voilà ce que j'avais d'autre à dire, c'est que oui, du coup il y a plusieurs personnages, certains créés par moi, d'autres dont je me suis inspiré de surtout un, je me suis inspiré d'un ami que j'ai retranscrit dedans, mais vous ne trouverez jamais dans internet ou dans un voilà, jamais vous trouverez ce perso, c'est juste moi qui l'ai mis en scène, et un peu voilà, c'est lui qui m'a aidé aussi à jouer ce personnage, enfin sans personne, qui s'est aidé à jouer son personnage car c'est lui qui connaissait, qui l'a joué. Pas mal, je vous dis pas encore qui c'est et tout parce que voilà, sinon c'est un peu du spoil. Donc voilà, je remercie déjà tout d'abord à ces 4 youtubeurs de m'avoir aidé et tous les gens autour qui sont pas youtubeurs de m'avoir aidé sur ce projet là. Parce que seul je n'aurais jamais pu. Déjà je vous préviens en plus que pour Noël, je vais recevoir un petit truc télécommandé, je vous dis pas précisément ce que c'est, mais je compte déjà faire quelques micros. Mais là je dis vraiment micro, court métrage, et là j'utilise bien court métrage parce que je compte pas faire ça pendant 10 000 heures. Quelques petits, peut-être des épisodes, je sais pas, sur une petite série sur ce truc télécommandé pour me faire du contenu, un peu moins de gaming et plus de contenu dans la réalité en quelque sorte. Donc ce qui est très très bien. Je compte faire une vidéo donc le 25 décembre pour la sortie du film. Donc je dévoilerai certainement mes trucs en vidéo. Et donc du coup ça veut dire que cette vidéo du 25 décembre ne sortira pas le 25, ça 26, 27, voilà, mais donc je vous réserve déjà ce petit Noël est déjà un peu chargé en ce qui concerne les vidéos. Entre le projet là que j'attends, que vous attendez aussi. Entre là je vais faire quelques petits trucs de gaming pour pendant les vacances,
On sait pas ce que je ferai pendant les vacances non plus, ou si d'autres, on sait pas, vacances, je sais pas, s'il se passe des imprévus ou quoi que ce soit d'autre. Du coup, quelques petits films comme ça, où j'essaierai de faire, puis d'un côté science-fiction, film avec lui, et d'un côté vraiment naturel, comme là je vous parle. Donc voilà, il y a un peu de boulot, mais je serais très content de faire ça. Je sais que voilà, donc je serai certainement pas seul pour cette vidéo, pour ces vidéos, mais voilà, le moment venu je vous en parlerai. Puis voilà, donc pour même pour 2018 en général, je vais avoir quelques nombreux jeux, je vais en avoir 3-4, donc du contenu en plus pour tout ce qui est vidéo, en sachant que cela je n'aurai jamais touché au jeu. Donc je découvrirai en mettant vous, et vous ne pouvez pas me spoiler. Je peux déjà vous dire un jeu, donc voilà, c'est Injustice, ouais, parce que le 2 est sorti, mais vu que j'ai PS3, je n'ai pas pris Injustice 2, donc je vais avoir Injustice 1, ou Injustice 1 si vous préférez, dans le monde de DC Comics, voilà, donc je ferai le mode histoire certainement, sûrement, c'est sûr, 100%. Je ferai son mode histoire ainsi que son mode multijoueur pour essayer de jouer peut-être avec Quentin V ou ce genre de truc, ou même accompagné. Donc voilà, après pour revenir au film, du coup, oui, j'ai hâte de vous le montrer. Puis en fait, bon, je sais pas quoi dire, j'ai hâte puis de vous montrer que puis, si, voilà, c'est pareil, bah, vous allez pouvoir le partager. Voilà, donc ça, c'est l'annonce du film, cette vidéo. Pour vous annoncer le futur projet que j'ai caché en quelque sorte depuis quelques mois. Enfin, caché, non. J'ai sorti les trailers, mais je vous ai rien dit là-dessus. Là, je vous en parle concrètement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaierai de les répondre. S'il faut, je ferai une vidéo pour vous y répondre. Voilà. S'il faut vraiment que je fasse une vidéo pour répondre à vos questions. Vous savez, si vous avez d'autres choses à me demander, ben, dites-le moi. Je serai là pour y répondre, j'y répondrai au plus vite. Donc c'est la fin pour moi, je n'ai rien d'autre à ajouter en tout cas pour l'instant. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, surtout demain pour une nouvelle case de mon calendrier qui se cache là-bas, qui n'aura qu'un hors champ. Je vous demande pas, je suis pas là pour ça. Allez, ciao! Ah oui, et information importante, après le film, à peu près quelques semaines après, je pense, je vais essayer en du moins, il y aura des bonus, il y aura environ 5 bonus de ce film, voilà. Donc, je vous n'en dis pas plus, vous les verrez par vous-même. Allez, vraiment, ciao.